tuseme mtuke. Tutakaa kwanza chini. Atuka kele Seigneur soit loué à jamais. Kwa kweli Bwana asifiwe milele. En réalité, il combat pour les saints. Kweli kweli Bwana anakuwaka anapigania watakatifu. Avant de commencer, mbele ya sisi kuanza, nous avons notre bien-aimé frère qui a neno la Mungu. Aujourd'hui, nous allons faire les kamikazes. Leo tutafanya maje moja hivi. Kamikaze ni kusema, c'est-à-dire quelqu'un voit qu'il est coincé par les ennemis. Ni kusema ile la kwa maje mtu anafanyaka wakati anaona anabananishwa na maadui. Il prend les grenades là, il ouvre. Njo anabeba ile bombe ya grenade yepe kindo anaifungula. Il accepte. Amitika. Et lui, na yeye, et ses ennemis, na maadui yake. Oye kuya iya. Kenye kitakuwa njo kikuwe. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous en Chiluba nous disons kutaika. Ni kusema bipasuke kama bitapasuka. Très bien. Nzuri sana. Kamikaze. Mtu anajua yeye mwenyewe na maadui pamoja. C'est-à-dire on ne serait pas très long. Ni kusema hatutakuwa warefu sana. Mais nous voulons aller tout au but là. Lakini tunapenda tuelekee pale kabisa kwa ukomo. Et chiter avec l'ennemi. Na kumaniza kabisa adui. Si je suis fort, je le tue là même. Kama niko na nguvu naishia kumuua pale pale. Et je pense que nous sommes plus forts que nos ennemis. Nafikiria kwamba sisi tunakuwa na nguvu sana kushinda maadui zetu. Sans tarder, nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole. Bila kugawia tutasimama wima hivi tusome neno la Mungu. Quand on termine la lecture, on nous chante Tukiwa. Wakati tunaisha kusoma, tutachante pour nous ce cantique là. Voilà. Jean chapitre 11 verset 20 à 27. Yohane 11 mstari wake mdogo 22 mpaka 27. Et aujourd'hui je vais prendre aussi Jean chapitre 2 verset 1 jusqu'à 11. Na leo vile vile nitachukua Yohana 2 kuanzia 1 mpaka 11. Nous lisons un certain moment, je vais vous demander de vous asseoir au milieu de la lecture. Tutasoma na kisha kati ya kusoma nitawaambia mkae chini. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Basi Marata, wakati aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kukutana naye, lakini Maria alikaa nyumbani. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Basi Marata akamwambia Yesu, eh Bwana, kama ungelikuwa hapa ndugu yangu asingekufa. Même maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Lakini ninajua hata sasa yoyote utakaoomba Mungu, Mungu atakupa nayo. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Yesu akamwambia ndugu yako atafufuka. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressusciterait à la résurrection au dernier jour. Marata kamwambia ninajua ya kamba ndugu yangu atafufuka kufufuko wa siku ya mwisho. Tunaweza kaa chini. Je prends Jean chapitre 2. Nachukua Yohane 2. Trois jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. Siku la mère de Jésus était là. Siku tatu baadaye kulikuwa sherehe Cana na Galilaya na mama yake na Yesu alikuwa pale. Et Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Na Yesu vile vile alialikwa kwa karamu pamoja na wanafunzi wake. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Wakati mvinyo ulipomalizika, mama yake na Yesu akamwambia hawana tena mvinyo. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivé. Yesu akamwambia mwanamke, nina nini nawe? Saa yangu haijakuja bado. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Mama yake akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia mlifanye. Oh, y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Palikuwa mitungi sita ya mawe imewekwa kule kwa desturi ya Wayuda ya usafisha, kila mmoja kwa kadiri ya vipimo viwili au vitatu. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et les remplit jusqu'au bord. Yesu akawaambia jazeni mitungi maji, wakaitaka.
Brisez maintenant leurs ridicules et portez-en à l'ordonnateur du repas et il les emporteur. Akawaambia sasa tekeni na mpelekee yule mwenye karamu na wakaipeleka. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait, l'eau changeait en vin. Wakati mwenye wa karamu alipoonja ile maji kabadilika kwa mvinyo. Et sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. Wakati ajue ilipotoka lakini walioteka maji walijua mkubwa wa karamu akaita bwana harusi. Verset 11, telle fille à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Mustara ke mdogo wa 11, mwanzo huyu wa alama ya Yesu alifanya katika Kanana ya Galilaya. Il manifesta sa gloire et ses disciples crirent en lui. Akaonyesha utukufu wake na wanafunzi wake wakamwamini. Tukiwa ndani ya Mwokozi Yesu. Tukiwa ndani ya Mwokozi Yesu. Shetani hawezi kutukama. Sababu tuna haki. Merci encore une fois. Viens nous insister pour quelques minutes, Père. Que ta parole nous aide encore. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a nos invités qui sont venus juste aujourd'hui? Levez la main comme vous voyez. Merci, acclamons pour lui encore de nous. Depuis le vendredi, nous avons commencé à parler sur puis Jésus vint et appela. Tokea siku ya tano tulianza kusema juu ya kichwa kubwa mobili nasema ya kwamba baada Yesu akaja na akaita. Nous avons vu que et c'est l'histoire de Lazare avec ses deux sœurs. Tunaona kwamba ilikuwa hadithi ya Lazaro na wadada wake wawili. Ils avaient un ami Jésus. Walikuwa na rafiki yao Yesu. Le jour il avait quitté la maison. Siku yenye alitoka ndani ya nyumba yao. Ils ont remarqué les ennuis qui ont commencé dans la maison. Wakaona magumu ikaingia ndani ya nyumba yao. C'est là que nous avions noté trois points dans lesquels on devait parler pendant ces trois jours. Ndio pale kwenye tuliandika nukta tatu yenye tulipata semea juu yao muda wa siku tatu. Jésus quitta la maison de Lazare. Yesu mwenye alitoka ndani ya nyumba ya Lazaro. Puis la mort est venue. Kisha kifo ikaja. Et enfin tout l'espoir était parti. Kisha kuwakakata kabisa matumaini. Nous avons vu que quand lui quitte la maison, tuliona kwamba wakati Yesu anatoka ndani ya nyumba, il y a des ennuis qui viennent. Kuna kwa maangamizo wala magumu yenye nakuja. Et hier, na jana, nous avons vu la mort qui est venue. Tuliona kifo iliyokuja. Mais on nous a parlé que ce qui était bon est que Lazare avait un ami fidèle. Lakini alituambia kizuri kilikuwa ni kusema kwamba Lazaro alikuwa na rafiki wake wa karibu. Qui peut
lui suivre même jusqu'à la tombe. L'ami Jésus-Christ. Rafiki Yesu Christo. Alléluia. Amen. Mes chers amis, Rafiki Zangu, ce que vous devez retenir, inyonapasha kushika, Lazare, lorsque Jésus a quitté, wakati Yesu alipotoka ndani ya nyumba yake, Lazare n'a pas péché. Lazaro hakutenda zambi. Lakini c'était comme l'orateur nous a parlé hier. Ilikuwa sawa vile mhubiri wa jana alisema. C'était pour un but. Ilikuwa ni juu ya ukomo moja. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Ilikuwa ni hivi utukufu wa Mungu uonekane. Imagine Christ. Mtu mwenye alikuwa anashikamanisha Bwana Yesu Kristo. Jésus le quitte. Lakini Yesu anamtoka. Les ennuis arrivent. Magumu inamfikia. Pourquoi Jésus a fait ça? Basi juu ya nini Yesu alifanya vile? Des fois je parle, aujourd'hui je vais beaucoup parler même pour les aiglons. Mara niko nasema leo nitasema mingi sana juu ya matoto. Yeye anaweza kuambia kifo bila kulani. Ndio la vie. Na kifo inakubali kuacha mtu anafufuka. Haiko mwingine mtu isipokuwa Mungu mwenyewe. Haleluya. Amen. Des fois Dieu laisse des malheurs venir à un vrai croyant. Mara Mungu anataka magumu imfikie Mkristo wa kweli. Ungekala kwa de Dieu sera manifesté. Amen. Hivi wakati utukufu wa Mungu utakapoonekana. Lakini nao kifo ni neno ya Mungu. Amen. Alléluia. Amen. Nous les chrétiens on ne meurt pas. Si ba Kristo hatukufake. Mais les chrétiens, lakini ba Kristo change de l'adresse. Sana badilishaka tu mahali kwa kukaa. Alléluia. Amen. Parce qu'après cette vie ici, kwa sababu kisha hii maisha hapa duniani, la vie qui nous attend. Kuna kwa uzima mzuri sana iko natungojea. Kwa moi je ne crée jamais la mort. La volonté parfaite. Amen. Mapenzi kamilifu ya Mungu. Alléluia. Amen. Les jours où je partirai, si kwenye mimi nitaenda, que personne n'abîme pas mon nom derrière. Hata mtu mmoja asiharibu jina yangu nyuma yangu. Ola tiwe. Oh fulani ndio alimuua. Ola poisonné. Oh walimtilia sumu. Ne jamais tuer serviteur de Dieu. La vie de l'homme est entre les mains du grand potier lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que me souviens très bien? Maintenant regardez. Hier nous avions entendu. La mort est venue. Voilà là où je voulais commencer mon petit message de ce soir. La mort s'est installée. On a appelé. Walimuita Yesu mara mingi. Il n'est pas venu. Hakuja. Lazare est mort. Lazare kafikia. On a pleuré. Batu balilia banalia. On est allé enterrer. Bakaenda paka na kuzika. Premier jour passé. Siku ya kwanza ikapita. Deuxième jour passé. Siku ya pili ikapita. Troisième jour passé. Siku ya tatu ikapita. Déjà la corruption a commencé à s'installer. Pale Lazare akaanza kuoza. Les désespoirs se sont installés. Batu bakakata
kabisa matumaini. Il n'y avait plus encore comment espérer que Lazare reviendra encore à la vie. Akukukua hata matumaini kusema kwamba Lazaro atafikia kufufuka. Voilà pourquoi mon petit message ce soir. Domana ujumbe wangu mdogo magharibi ya leo. C'est contourner la procédure normale. Ni kuepuka njia ya kawaida. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu interprètes ça bien. Parce que c'est un message qui peut aider quelqu'un ce soir ici. Kwa sababu ile inakuwa ujumbe nyeleza saidia mtu magharibi ya leo. Quand Jésus est venu, wakati Yesu alikuja, il a contourné la procédure normale. Aliepuka ile njia yenye watu yote banapitiaka. Voilà, vizuri sana. Parce que pour que Lazare revienne à la vie. Kwa sababu kwa Lazaro kufikia kufufuka. Vous écoutez Martha bien parler. Munasikia Martha alisema vizuri. Oui, Seigneur. Ndiyo Bwana. Je sais qu'il ressuscitera. Najua kwamba ndugu yangu atafikia kufufuka. Le jour de la résurrection. Siku ya ufufuko. C'est ça la parole. Ile ndio neno inasema. C'est ça l'écriture. Ile ndio andiko. Hallelujah. Amen. Quand lui vient, wakati yeye anakuja, lorsque l'urgence se présente, wakati kunakuwa shida moja haraka inakuwa, il peut briser même ses écritures. Anaweza pigia hata kuvunja maandiko yake. Na magharibi ya leo si la Dieu kama yeye kwa Mungu il brisera ses écritures. Atapigia kuvunja maandiko yake. Il va contourner la procédure. Atapigia kule njia ya kawaida. Pour que ta solution apparaisse ce soir. Hivi jibu yako ionekane magharibi ya leo. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Dans la procédure normale. Katika hali ya kufanya ya kawaida. Il fallait attendre. Ilibidi ndo atunge. Le jour de la résurrection des saints. Siku ya ufufuko ya watakatifu. Quand la trompette sonnera. Wakati baragumu italia. C'est là que Lazare pouvait sortir aussi de la tombe. Ndio pale kwenye Lazaro alipasha sasa kutoka kaburini. Mais comme il y avait l'urgence. Lakini hivi kulikuwa shida moja ya haraka. Comme il y avait de quoi yake kuwaye sa parole. Hivi kulikuwa waamini yeye kwa naamini neno yake yeye. Comme il y avait de gens. Hivi kulikuwa watu. Qui pouvait accepter d'être juré à cause de lui. Wenye walipasha kukubali kutukaniwa juu ya Yesu. Nana gani waliwatilia tufe? Mesami. Rafiki zangu. Kati liya defi. Wakati kuna kwa tufe. Sambo kele kaki pera lewa se defi. Kana mutu moja mwenye naeza kuondosha hiyo. Cet homme là. Hapo ule mutu. C'est le Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Ni Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Et quand il est arrivé. Na wakati alipofika. Il a contourné la procédure normale de la résurrection. Akupitia kwile njia ya kawaida kulingana na maandiko kuhusu ufufuko. Il se tient devant la tombe. Ndio akasimama mbele ya kaburi. Il crie d'une voix forte. Na kulalamika na sauti kubwa. Parce que notre message. Kwa sababu ujumbe wetu. Quand Jésus vint. Wakati Yesu alipokuja. Et appela. Na kuita. Lorsque lui vient. Wakati Yesu anapokuja. Ne reste pas calme. Usibaki kimya. Quand lui vient. Wakati anapokuja. Il doit t'appeler. Anapasha kukuita. Et ce soit pendant que je prêche. Na magharibi ya leo wakati niko na uhiri. Il peut t'appeler. Anaweza kukuita. Il a maladi ya wapole sante. Toka kumagonja kuelekea afya njema. Il s'est tenu là. Alisimama pale. Il a dit Lazare. Akasema Lazare. Sors. Toka kaburini. Oh my my my. Oh Mungu wangu. Alleluia. Amen. Le mort qui était déjà 4 jours dans la tombe. Kwesha kwa siku ine kaburini. Yesu ti viva. Akatoka muzima. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini lipitikana? Il a contourné la procédure normale de la résurrection. Aliepuka njia ya kawaida kulingana na maandiko kuhusu ufufuko. Est-ce que quelqu'un avec moi ensemble? Yesu kuna mtu ananifuata? Ce soir. Magharibi ya leo. Il peut contourner la procédure normale. Anaweza kuepuka njia ya kikawaida. Njia la pandisite. Inabidi ndio bakupasule. Quand lui parle ce soir. Tiens, anasema magharibi ya leo. Il va contourner l'opération. Ataepuka hautapasuliwa. Il va vous faire l'opération sans cicatrice. Na atakuposha ile pandisite bila wewe kupasuliwa. Croyez-vous cela? Unaamini hiyo? Croyez-vous cela? Unaamini hiyo? Croyez-vous cela? Unaamini hiyo? Croyez-vous cela? Unaamini hiyo? Recevez votre opération sans cicatrice. Ataikakua pandisite. Christ.
guérison au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire à ton ami? Il est en train de contourner la procédure normale pour mon dossier. Yes, il connaît tout bien India et Kawaida. Quoi dire à Ichambo Yango? Alléluia. Amen. Là-bas en Amérique, pour les Maritani. En Amérique, pour les Maritani. L'homme sage nous narre une histoire. Mutu moja wa hekima anatuhadithia hadithi moja. Il y avait un jour. Kulikuwa siku moja. Le roi César tenait la meeting. Mfalme Kaisari alikuwa anafanya meeting. Les gens étaient là. Batu balikuwa pale. L'armée était là. Jeshi likuwa pale. La police de l'autre côté. Askari polisi likuwa pale. Les généraux là-bas. Wajemadari walikuwa pale. Quand lui parle. Wakati yeye anasema. La procédure doit être contournée, mes amis. Basi ile njia ya kawaida haiko ndio watapitia moyo tena. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana? Pendant qu'on chantait l'hymne national. Wakati walikuwa naimba nyimbo ya taifa. Un petit vent soufflé. Upepo mmoja ukakuja. La couronne du roi César est tombée par terre. Kofia ya César ikaanguka kudongo. Maintenant selon la constitution. Sasa kulingana na sheria. On ne peut jamais chanter l'hymne national. Hii nyimbo ya taifa haiwezi kuimbiwa. Pendant que la couronne est par terre. Wakati taji inakuwa kudongo. Et selon si la constitution. Na kulingana vile vile na sheria. Pendant qu'on chante l'hymne national. Wakati nyimbo ya taifa iko inaimbiwa. Personne ne peut jamais bouger. Hakuna mtu wa kutikisika. Chose se complique. Basi bibi na kangala. Mais un caporal courageux. Lakini caporal moja mwenye alikuwa na bidii. Il n'avait pas de gun. Yeye hakukuwa na pete. Il est sorti de là. Akatoka kugundi. Jamais on ne peut pas chanter l'hymne national. Asema kamwe nyimbo ya taifa yeze imbiwa. Kuone ni wapate. Na tati ya mfalme kudongo. S'il faut que mon travail termine aujourd'hui. Kama basi ndo mwisho ya kazi yangu leo. Je dois sauver la couronne de roi. Napasa kwenda kuokoa taji ya mfalme. Il est venu. Akaja. Il a pris la couronne. Akalokota taji. Et les places. Ndo akamuvika mfalme. Le roi lui dit. Mfalme akamwambia. Merci mon général. Asante jemadari wangu. Il n'est pas du côté des généraux. Il s'en va à côté des généraux. Je lui dis, je m'en ai voulu à la mambia. Sors de là. Oui. Dis non. Je ne peux pas sortir. Ici ce n'est pas ton âme. Il dit, mais tu n'es pas général. Le roi m'a dit que je suis général. Il dit, les généraux regardent. Toi, tu n'as pas de galop. Il dit, le roi m'a dit, mais les galops viendront après. Je suis patron. Niko patron. Je suis le chef de ma famille. Mimi. Nakuwa mkubwa wa jamaa yangu. Je suis en bonne santé. Niko. Katika kenje. Le roi m'a dit ça. Mais
ami. À partir d'aujourd'hui, je change mes adresses. Je ne suis plus caporal. Je ne suis plus caporal. Je ne suis plus caporal. Je change. Il a commencé à écrire. Yesu akaanza andika. Oui, il a effacé. Isha akazima. C'est pour vous montrer. Kuonesha kwamba. Dans tout ce qu'on peut accuser. Mwiyote nyo wanaweza kukusitaki. Celui qui détient la dernière signature. Mwenye anakuwa na neno ya mwisho. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Oh, tantina pale. Dada yangu ndo alisema. No, tantina pale. N'a pas la dernière signature. Grand-père n'a pas la dernière signature. Oncle n'a pas la dernière signature. Lorsqu'il a terminé, il efface. Il regarde la femme. Femme, manamke. Où sont ceux qui t'accusaient? Les regards à gauche. Zéro. La chose se répète ce soir. Il est l'équipe n'a rubilia mangaribia. Si tu es venu malade. Ataka mo likuja mgonjwa. Commence à chercher cette maladie là. Uanze kuangalia makubero ya mgonjwa. Uangalie. De l'autre côté. Ingine ngambo. Derrière. Nyuma. Hakuna mutu. Devant lui. Mbele yake. Le sauveur est là. Mon opposé te parle. Je ne vois personne. Si on est à mutu. Est-ce que tu peux dire aussi, je ne vois personne ce soir? Peut-être je suis vainqueur ce soir. Le Seigneur lui dit, écoutez comment il contourne la procédure. C'est la loi. Il faut qu'il soit lapidé. Je ne suis plus pauvre encore. Est-ce que vous y êtes avec moi ça? Et tu n'as pas besoin. Un jour, si vous mangez, il y avait l'urgence. Pour le quoi, si la mangez à Araka, dans la fête de Cana. Moussere à Canaan. Est-ce que vous y êtes avec moi ça? Et tu n'as pas besoin. C'est ça, Jean 2 que nous avons dit là. Il est dans Yohan et Bien et plus on m'a parlé. De maman à l'écap. Palais de Shida. Alléluia. Amen. Le Seigneur était invité avec ses disciples. Arrivé là-bas, pale, ils ont commencé la fête, kulewa. Au milieu de la fête, kati kati ya sherehe, le vin terminé.
une forte agitation. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, que le Seigneur bénisse. Oh, bwana Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse, mon ami. Mungu akubariki, rafiki yangu. Alléluia. Amen. C'est un ami. Ni rafiki yangu. Amen. Amen. Voyez ça, mes frères. Munaona ile ndugu zangu, rafiki zangu. Alors, ça c'est milieu de la fête. Katikati ya sherehe, le vin pouf, mvinyo ikamalizika. C'est une histoire qui se répète. Ni hadithi yenyewe narudilia na leo. Vous êtes au milieu des études. Woko kati ya masomo. Celui qui soutenait les études. Mwenye alikuwa analipia kana kati. Vous ne savez pas comment tu vas terminer les études universitaires. Audio wanzie wapi kwa kuishilia masomo. Peut-être c'est votre année terminale. Sa zingine unakuwa kwa mwaka ya mwisho. Mais le désespoir s'installe. Pale pale unakata matumaini. Que Dieu soit loué ce soir. Mungu asifiwe magharibi ya leo. Parce que ce soir, basi magharibi ya leo, même si tu n'as pas la foi. Hata kama hauna imani, je vais appliquer ma foi. Alléluia. Amen. Marie regarde. Maria akangalia. Comme il connaissait Jésus. Bona kama Maria alikuwa anamjuaka Yesu. Tu peux les aider. Yesu anaweza kuwasaidia. Parce que il ne pouvait pas dire tu peux les aider si ne connaît pas qui il est. Angefikia kusema kwamba unaweza kuwasaidia kama angejua kinyi Yesu iko. Dio si regarde Marie. Na Yesu naye anamwangalia Maria. Femme. Mwana Mungu, qui a-t-il entre moi et toi? Mimi katikati yangu mimi na wewe. Mon heure n'est pas encore arrivée. Wakati yangu hayaenea. Jésus regarde ses frères. Do Yesu anaangalia wa ndugu zake. Je sais. Najua. Quand il y a diligence, wakati kuna kwa shida ya haraka, il ne manquera pas de parler. Hata kosa kusema. Mais faites seulement ce qu'il vous dit. Lakini tu wakati atamwambia kitu fulani muifanye. Alléluia. Amen. Je pense qu'il y a une urgence quelque part ce soir. Ninafikiri kuna kwa mtu anakuwa na shida ya haraka pasi. Tu es entre la vie ou la mort. Unakuwa karibu na kufa. Ton mariage en danger. Unyumba yako inataka kufa. Ta santé en danger. Afya yako unakuwa karibu kufa. Travail en danger. Kazi yako karibu kufukuziwa. Tes autorités ne t'aiment pas. Bakubwa yako ya kazi hawakupendi. Il est complot quelque part pour qu'on puisse t'enlever là-bas. Basi moja wanaomba njama hivi bakufukuze kwa kazi. Mais ce soir. Lakini magharibi ya leo. Dieu t'élit. Mungu wa Elia. Va contourner toute la confusion là. Dakika chache. Il fait comme quelqu'un qui sort du sommeil. Yesu anafasa mwenye anatoka kusingizi. Eh. Eh. Allez, remplissez ces vases. Mujaze hii vyombo hapa. On a commencé à mettre. Yo akaanza jazz, akaanza jazz. On met de l'eau, on met de l'eau. Wanatia maji, wanatia maji. On termine à mettre. Wanaisha kutia maji. Il n'a pas fermé de prier là-bas pour commencer. Non, non. Il termine. Anaisha tu. Seigneur, on a terminé. Bwana tunaisha kutia maji. Ok. Sawa. Allez, se lever déjà. Mupatie ba. C'est que nous avons besoin. Et yes, c'est comment lazim. C'est ce mot d'or. Ni yeye tu aseme. Ce mot d'or. Ni yeye tu es aseme. Ce mot d'or. Ni yeye tu es aseme. Tu n'as pas à discuter à ça. Oui, tu sais bien chez il. Même si tu n'as rien. Attends comme on a quitté. Ah oui, tu es. Ou après tu es en aseme. À nous en. Y'a pas mal. Comme la première fois, ma sima. Même si tu n'as pas la force. Wakaanza kugawanyia. La Bible dit. Biblia nasema. L'eau s'est changée en vin. Maji ikajibadilisha kuwa mvinyo. Frère Barabri, qu'est-ce qui s'est passé? Ndugu Barabri anasema nini ilipitikana? Il a contourné la procédure normale. Yesu aliepuka njia ya kawaida kwa kupata mvinyo. Parce que ce jour-là. Kwa sababu ile siku. Vous connaissez encore le vin? Kwa hivi watu bafike tena kupata mvinyo. Faut d'abord planter la vigne. Ilibidi kwanza kupanda mzabibu. Et commencer à sarcler ça. Na kuanza kuipalilia. Jusqu'à ce que ça donne les fruits. Mpaka pale tatoa matunda. Et les fruits mûrs.
on crée ça, on fermente, après avoir pressé ça, quelques jours après, cela va donner le vin. Ça devrait demander des années, mes amis. Quelque chose qui devrait prendre des années. Un homme de chair se tient là. Mututu, katika mwinya nekala hivi. Il dit, nasema, prenez ça, allez. Mubebe le maji, allez. On goûte l'eau. Batu, mukuonja maji. L'eau change en vin. Maji na badirike na kuwa mvinyo. Cette prédication de ce soir. Mahubiri ya mangaribi ya leo. Je suis un fou de Jésus. Hapa, niko mwana bazimu wa Yesu. Si tu as la foi. Dieu peut changer même des papiers libres dans ta poche. Écoutez ce que le prophète dit dans le Dieu immuable. Oh, merci Seigneur. Oh, il merci est bon. Dieu. Vous manquez de voir qui il est. Il est le Dieu immuable. Je suis heureux ce soir d'avoir cette foi en lui. Et un jour, quand ma vie, mon corps, avec ses 16 éléments, retournera à la poussière de la terre, il dira cependant, Abraham, et je sortirai. Na mimi il soufflera là-dedans. Le souffle de vie. Voilà. Qu'est-ce? Il contournera la naissance. Voyez-vous? Il n'y a pas des aiglons. Ma mère ainsi de suite, il va les contourner tous. Mama yangu na kazalika ataepuka wote. Mais il m'appellera seulement. Lakini ataniita tu mimi. Et je sors. Nana toka. Branham tout entier. Branham mzima. Dit comme Jésus lors de son premier miracle. Il anasema sawa vile Yesu wakati ishara yake ya kwanza. Il a changé de l'eau en vin. Alibadilisha kuwa maji kuwa mvinyo. En fin de compte. Kumwisho, ça serait devenu vin. Il a contourné toute la procédure normale pour avoir le vin. Akaepuka, ile njia kawaida kwa kupata mvinyo. Il a dit akasema, que l'eau se change en vin. Ya kwamba maji badilike kuwa mvinyo. Voyez, unaona? À la résurrection, il ne dira pas. Wakati wa ufufuko akasema, Monsieur et Madame Branham. Oh, Bwana na Bibi Branham. Remariez-vous encore. Mwoane tena. Et agendrez de nouveau William. Il parlera. Atasema. Et je parlerai ainsi que je dis. Amen. Amen. C'est lui le Dieu créateur. La même chose qu'il avait fait le jour. Où il a fait nourrir 5000 personnes. Dans Matthieu 14. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Suivez-moi, je commence à descendre déjà. Munifate naanza kushuka. Soyez avec moi connectés, mes amis. Munifate muzuri. Laissez ce papa là. Mwacho le baba pale. Quelque chose doit arriver pour lui aujourd'hui. Kitu moja napasha kufikia kwake leo. La vie éternelle, uzima wa milele. Je peux récolter même les
ivrogne, quelqu'un de vaut rien, il lui fait un boss. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a prêché pendant 3 jours. Yes, alobiri, mundo wa siku tatu. Les gens étaient fatigués. Batu bakachoka. Papa, protégez ce papa-là. Vous les mettez même de ce côté ici. Bon, mon collier, Baba, motier. L'attention des gens soit attirée comme ça. Pari, batu, babuti, ou angalipo, ou ah, voilà. Mettez-lui de l'autre côté. Motier, n'amber. Parce que je sais que le diable ne pousse pas. Il est satané. Vous dérobez la petite séquence qui est en train de passer maintenant. Je suis tellement jaloux de voir comment vous avez fermé vos travaux pendant 3 jours et que Dieu de Branham vous laisse comme ça. Non. Aujourd'hui c'est notre jour aussi. Job, tu comprends? C'est notre jour. Ici qui est tout faut que tu sois avec les galons ici. Il n'a pas de quoi m'appeler à pas. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Donc il est venu à tous les cas. Alléluia. Amen. Les galons doivent sortir. M'appeler n'a pas sa toca. Il faut qu'on sorte chacun avec ses galons ici. Il n'a pas de quoi m'appeler à toca et à pas m'appeler. Mon Dieu, quand vous voyez quoi, c'est d'abord à offrir. Donc il n'a pas de quoi m'appeler. Aujourd'hui, vous allez sortir avec vos galons aujourd'hui. C'est vrai. Même toi aujourd'hui. Attends, on va les amen. Après quelques jours, tu ne seras pas les mêmes. Les gens vont te regarder. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? N'y a oui, en hébreu, par la combien. Notre Dieu n'aime pas le gaspillage. Toutes les heures que vous perdez pour lui, est payable. Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour. Et ce jour-là, il a fait 3 jours. On a que 5 pains et 2 poissons. Situation que le Seigneur vient de soulever, on va faire comment? Là où la pensée de l'homme se limite, c'est là que la pensée de Dieu commence. Là où la science dit ça ne va pas. Là où toute la science, la médecine dit ça ne va pas. C'est là que Dieu dit que c'est possible. Amen. Apportez-moi ces 5 pains. Et ces 2 poissons. Il les a touchés. Il les a remis. Arrangez-les. Va leur distribuer. Ce que j'aime les disciples de Jésus, ils n'étaient pas comme nous. Dieu vous dit, vous êtes bénis. On passe, comment tu peux ça? Demain, je serai délogé, je suis locataire. Donc, moi, c'est mal l'argent. Mon frère, Buguyango, je te dis que tu es bien. Non, pasteur, donc, moi, d'abord l'argent.
Mais les disciples de Jésus, cinq pains par jour, deux poissons. Mais la masse connaît si c'est pain. Distribuer ces gens. Ils ont dit à vous autres. Le prophète de Branham dit, quand on coupait les pains, un autre morceau encore ces gens. On coupe, on coupe. La Bible dit, avec Dieu, nous serons désespoir. Tu vas faire étudier les primériens. Tu vas faire étudier les licenciés. Tu vas faire étudier les gratuits. Tu vas faire étudier ceux qui sont l'humanité. Mais ça ne terminera pas. Mais ça va toujours s'ajouter toujours. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il a contourné la procédure normale. Aliepuka njia ya kawaida. Parce que ce jour-là, kwa sababu ile siku, il fallait faire une boulangerie là-bas. Ilibidi watie fasi ya kupigia mikate. Chercher la farine. Watafute bunga. Chercher ceci. Watafute kile. Pour commencer. Ili baanze. Comment on peut faire maintenant donc que cette farine là fermentée mettre dans la boulangerie? Namna gani batachanga hiyo na waanze kupika mikate? Le roi de roi. Mfano wa mfano. Le créateur du ciel et de la terre. Mbaji wa mbingu na dunia. La Bible dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il n'a fait à l'est, aujourd'hui il fait la même chose encore. Un jour, mon prophète Branham avait soif de manger les kireilles. Il a chassé. Jesus,
Seigneur. Oh, accenti, Bwana. Merci, Père. Accenti, Baba. On va les prendre par ses parents. Il a quitté lui-même la vente des marchés. Oh, merci, Père. Merci, Seigneur. Accenti, Bwana. Dieu de Branham est en train de contourner la procédure. Est-ce que tu peux dire que je me regarde déjà? Parce que la présence de Dieu est en train de circuler. Je peux enlever même les cancers avant. Je peux enlever la gastrite qui te dérangeait. Il est en train de l'éditer. Qui sont aussi guéris, levez la main que je vois. Beaucoup de gens dans la salle. Rabaissez votre main. Avant, pendant que nous sommes dans cette atmosphère, tu as vu ce Dieu. A fait parler insoumis. Aujourd'hui, sans imposition de mes ce que j'ai toujours répété à mon église avec le plan. Et souvent mon ministère,
Voilà cette affaire de marché. Qui peut croire le Saint Dieu? Bienvenue à la porte de la magie. Bienvenue à la porte de la magie. Bienvenue à la porte de la magie.